Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ender Lilies où on avançait à vitesse de géant. Et on se faisait aussi bien défoncer l'anus par tous ces mobs, de temps en temps quand même, parce qu'ils sont forts. Et oui. Fini le temps où on roulait sur le jeu. Voilà, faut faire attention maintenant quand on joue. La merde. Il y a plein d'ennemis différents maintenant. Et on pouvait aller par là. Donc clairement c'est un boss hein. Ah non, ce n'est pas un boss. Je pensais. Donc le jeu serait gentil et nous aurait mis une save juste avant cette zone. Qu'il est gentil. Ah, c'est l'enfer sur terre ici. Voilà, crevez tous. Alors surtout eux on sait que c'est l'enfer. Et d'accord, il faut vraiment les attaquer dans le dos quoi. Aïe 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 aïe. Ok. Level 50 quand même, bravo à moi. Elle bloquait un petit succès prêtresse impure. Peut-être parce qu'on atteint le niveau 50. Mais c'est quoi ce bombardement atomique? Vous êtes malade? Ah oui, non, mais vous êtes malade. Vous êtes des malades. Par contre là, vous avez du mal à me toucher. Ah d'accord. On en est là. On en est à ce genre de flibiditri. Voilà. Moi je m'en fous, je peux te toucher, donc je te touche même en tapant dans le vide. Tu crois que je t'ai pas vu toi là-haut? Tu crois que je t'ai pas vu? Ah par contre je pensais pas que t'allais sauter jusque là. À gauche et quoi? Ok. Des saloperies volantes. Allez! Eh oui mon ami. Alors maintenant ces trucs là sont devenus des vrais ennemis. Ah! Y'a ça. Ça on pouvait interagir avec, me semble-t-il. Il y a une... Alors comment on faisait déjà avec ça? Voilà, pas comme ça. Il y a une fleur blanche, justement, j'en parlais l'épisode précédent. Ou il y a deux épisodes, je ne sais plus, comme quoi on n'en voyait jamais. Là voilà. Le jeu me fait mentir. C'est pas très gentil ça le jeu. On est où? Où est-ce qu'on est? Il y a clairement une porte là. Hein. Ah, on est au niveau de la sauvegarde, c'est ça. Je dis pas de conneries, oui. D'accord, donc maintenant, si on monte là, on tue les ennemis qui sont là, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on monte là et on monte directement ici. D'accord, avec un passage juste là, un raccourci aussi près d'une sauvegarde. Je serais prêt à parier qu'il y a un boss, mais... Allons donc loin de cette salle. Ok. Un dragon! C'est honnête, il n'y a pas eu de dragon ici depuis un millénaire. D'accord, et lui fait des boules vertes dégueulasses. D'accord. Tu crois que tu me fais peur ou quoi? J'ai peur en mode dragon. Ok, très bien. J'ai un arc. J'ai un arc et des flèches. Donc tu me fais pas peur. Et j'ai une magicienne. Wouhou. Ah, qu'est-ce que je te disais, j'ai un arc et des flèches. Encore un truc que je peux pas casser. Parce que j'ai pas... Non! C'est vrai qu'il y avait ça comme ennemi. Aïe. Et on les reconnaît en plus, si tu fais gaffe. Là, il y en a un autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça.
Ça, 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 ça. Voilà. Comme ça, on l'a déjà bien éclaté. On les reconnaît, ils sont rouges. Il le sait en plus, hein. Il le sait. Mais il oublie. Parce qu'il est un peu con. D'accord, donc là, il y a un raccourci par le haut. Une save. Ah, ah. Ok. Moi, ça me va, les saves. Parce qu'en plus, de toute façon, on peut se déplacer rapidement à l'autre save. Donc... Ah, c'est un cul-de-sac, d'accord. Donc, on va clairement... parce que le haut, je pouvais pas y aller. Donc, on va clairement aller là. Et oui. Ok. Et donc là, on va... Hop. Aïe, c'était ouf. Attendez. Il a déjà oublié. Non, eux, il faut les tuer normalement. C'est la salle d'après où on peut les... D'accord. Mais eux, il faut les tuer. Voilà. Donc, hop. Voilà. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Quel con, il fonce dedans sans faire ça. Prendre des PV inutilement dans la bouche. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce que j'appellerais optimiser son jeu. Ah, il y en a deux. J'avais oublié. Un de moins. Bravo. Sont tous morts ou pas? Quelle est la question? Oui. Ouais, donc c'est pas si facile que ça, mais c'est toujours plus simple que de refaire le tout complet. Ah, mais c'est pour ça qu'on a une fleur. Il nous autorise d'utiliser. D'accord, le jeu nous autorise quand même le droit à l'erreur pour le boss qui va arriver. Ah non, y a pas. C'est quoi? C'est dégueulasse. Ah, d'accord. Moi, je sors par là. Là, il y avait ça. Le cassonnard va pouvoir bu la potion des marges. Là, on pouvait sortir là. Encore une fois, il s'est fait abuser par un mur. D'accord, donc là on peut descendre là, on peut descendre partout, ok. Il y a quoi en dessous? Il y a des salles vides. Il y a de l'eau. Il y a l'air d'avoir beaucoup de piou-piou. Il y en a un là. Ok. Piu-piu. Voilà, l'arche est mort. Alors, maintenant, pourquoi il y a ça? Ah! Pour nous révéler la zone que j'avais déjà vue, évidemment. Là, on peut descendre là. Et on peut casser ça. Et donc, on arrive là. Alors, à quoi ça sert, je ne sais pas. Il y a forcément un truc à aller chercher là. Oui!
augmente la barre spéciale de 1. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Licorne... Licorice, pardon. Pas licorne. Licorice, la faucheuse, danse avec les esprits de sur le champ de bataille. Disent les mots décodés par le chevalier noir. Cette relique déterrée après la chute des anciens restera intacte malgré le passage du temps. Ah bah voilà, on a tout... Ah d'accord, ouais, en fait... Oui, casser les trucs te débloquait la vue sur ce qui se passait en dessous, d'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a encore des trucs à voir là-bas? Je ne sais pas. Voyons voir. Hop. Bon, on va tous les casser juste par le plaisir. Voilà. Et ça, c'est un plaisir de tout casser. Ouais, donc non, en fait, d'accord. C'était vraiment fait pour qu'on voit le coffre. Si t'es con comme ça, moi ça me dérange pas. Hein. Ok, c'était vraiment pour qu'on voit le coffre. Et là on va pas y aller. D'accord. Ok. C'était celle-là, la 2. Ouais. Hop. Ok, ok. Donc il faut vraiment passer par les yeux. Essayez. Donc j'avais bien raison, il y avait bien une porte. Alors. Il faut que je comprenne ça, comment on les casse. Ça n'a pas forcément beaucoup de PV, mais ça nous détruit la bouche. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, il faut vraiment se mettre en dehors du cercle, donc ça je l'avais deviné. Encore faut-il avoir le temps. Ça, ça marche contre toi. Oui, voilà. Ok. Avoir du tir, c'est bien. Hein. Mine de rien. Ok. Donc il y a eux. Je fais comme ça. Hein. Voilà. Ok, donc ça, c'est la porte du dessus. Ça, c'est celle-là. D'accord. Trois trucs volants. Ça, ce sera cette porte-là. Level design est bien fait. Hein. Vous savez, ils vous montrent ce que vous avez envie de vous... Enfin, ce qu'ils veulent bien vous montrer. Des fois, il y a des trucs cachés, mais les trucs cachés sont pas forcément hyper cachés. Je trouve ça très très bien fait. Bah écoute. D'accord. D'accord. Ouais, donc tu veux vraiment que je rentre dans la salle, en fait. D'accord. Ok. Voilà. C'est bon? Donc des fois, ça sert de garder les pouvoirs, hein. Voilà. Alors par contre, il faudrait que je sache ce que ça fait, augmente la barre de 1. C'était clairement ce qui est noté. Ah, donc là, c'est la même chose. L'archer must have ici. D'accord, là on a un truc de compétence intéressant. Il y a un œil.
Je suis en dehors du cercle, hein, quand même. J'étais en dehors du cercle. Hein. J'étais en dehors du cercle. C'est pas grave. Ah, bah oui. Alors, on va voir ce que ça fait. Augmente le truc de 1. Relique. J'ai encore de la place? Non. Ça, les PV réduits. Augmente légèrement le nombre d'utilisation des esprits. Oui, ça, c'est la défense. Alors. Si on prend. Truc de la licorne. Temps de rechargement. Ah oui. Voilà, ça. Non. Il faut d'abord retirer pour mettre. Alors, ça veut dire quoi? Ah, j'en ai deux! Ah! Vous allez me dire, oui, c'est logique, mais. Ça aurait pu être autre chose. Ah! On a deux barres. D'accord. Oui. Ah, ça, par contre, ça, c'est intéressant. Ça va aller où? Ça, c'est hyper intéressant pour le coup. C'est intéressant, très très intéressant. Quand on voit comment c'est balèze. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. Ouais. D'accord. Oui. Hop. Pour le coup, j'aurais pas perdu de vie, ni de compétences. Très bien. Et il se fera avoir par le caca ambulant. Mais maintenant, j'ai plus besoin de tous les tuer. Ah si, parce que je suis obligé quand même de passer là en haut. Mais j'en tuais deux. Alors celui-là. Allez, d'accord. Il faut deux Sigrid quand même pour les tuer. C'est celui-là que je pouvais éviter alors. Après celui-là. On peut faire ça. Voilà. Tant qu'à faire, on va en utiliser un. On va utiliser le deuxième. Très très fort hein, ces pouvoirs là. Je suis bien content de les avoir. Voilà. Eux sont plus solides que les lanciers. Voilà. Donc on est revenu là. Bravo, j'ai failli sauter dedans. Aïe. C'est pas grave. Alors comment je peux y aller sur lui? Et là je me suis pas fait toucher, intéressant. Je me suis moins fait toucher que tout à l'heure. Alors que j'étais au même endroit. Arrête de faire n'importe quoi. Sont chiants ces yeux. Les yeux sont très très chiants. Ok, là-bas, maintenant c'est des dragons, d'accord. Enfin, des dragons. Et mais celui-là, il est facile à tuer. Est-ce qu'on peut le bait. D'accord. Mince, j'ai récupéré la... Bon, après ça change pas grand-chose. Voilà. On va récupérer un petit peu d'utilisation. Malheureusement, j'aurais pas le pouvoir. J'aurais pas le pouvoir de dire oui, seulement celui de mourir. Mais maintenant, j'ai le pouvoir de dire oui. Donc je dis oui. Hop. Aïe. Ça va, j'ai pas été empoisonné. Ok.
Est-ce qu'on pourrait avoir la fin de la pièce et une salle de sauvegarde, s'il vous plaît? Oui. Le raccourci qui fait plaisir. Pourquoi c'est pas dégueulasse? Cassez-vous. C'est quoi cette meute de rats? Ok. Ah, ok. Ok, j'ai les deux pouvoirs. C'est comme ça qu'on fait chez moi. On tape les ennemis à travers les... Eux, ils ont pas le droit de le faire, hein, parce que sinon je vais râler, évidemment. Mais moi, j'ai le droit. Oui. Tu le joues, hein. J'ai tout le droit. Non, mais moi... Ok. J'ai déjà compris comment arnaquer le jeu. D'accord, c'est ça. Ah, c'est une tyrolienne. C'est moi où ça pue, toutes ces cages? Je sais pas. Oh, un passage, ici. Y a quoi en dessous? Je ne sais pas. Allons voir. Pourquoi pas? Ah, donc j'avais raison, il y a bien des trucs que j'ai pas trouvé ici. Hop. Joue pas au héros, petit gars. Ça marchera pas contre moi. Ok, donc ici. Et ici, on sait que c'est pas un problème parce qu'on les tue facilement. On se met à l'extérieur du cercle, on leur tire dessus. Voilà. Mais oui, mais voilà. Ah. Oui, j'ai pas fait ça. Ok. Comme quoi, tout est facile. J'avais pas dû. Moi, je dis que ça pue la tyrolienne. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, je dis. Je dis que les caches, ça pue. Ah non. Ça va. Le mec qui devient complètement parano. Ah bah voilà, je savais bien qu'il y avait quand même... Quand même. Il y avait une entourloupette. Alors. Voilà, un de moins. Voilà, deux de moins. On merdait, non? Là, on peut descendre. Oh! Il y a un levier caché. Je les avais pas vus. C'était pas ce que je voulais faire. D'accord. Ah! On peut pas monter ici, nous dit-on. D'accord, ce sera un raccourci. D'accord. Pourquoi pas? Alors, là on pourra... Oh! Ils sont pas bien. Hein. Voilà. Maintenant que je peux me mettre loin. Voilà. Pas dur. Ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur de monter de niveau.
Ok, là, un petit levier qui nous fait revenir. Alors. Ah oui, il nous fait venir là, mais là on peut pas le péter. Pour le moment, ça sert à rien. Peut-être trouver le pouvoir pour casser ça, hein, sur le retour. Peut-être, hein. Et ça, c'est clairement un raccourci ou un truc caché. Bon. Ah, mais il y a peut-être un raccourci vers le bas là pour aller à la salle de save. Sur la salle suivante. Ce qui serait pas un mal. Je dirais. Ok. Hop. Alors, je vois pas pourquoi on nous montre ça là-haut. Mais. Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour y aller. Donc, bon. On va peut-être revenir après. Hein. Le jeu est assez tortueux. Vous le voyez bien. Ouais, d'accord, il y a clairement un passage vers la salle de save. Ça, c'est très bien. On va essayer de bien jouer. Ça m'a l'air d'être par là. Alléluia. Voilà. Ah, on aime ça. Ok. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, oh, oh. Il passe à travers ça, là. Intéressant, intéressant, intéressant. Allez. Moi, je voulais descendre. En fait, je voulais le déclencher et aller en bas casser la porte. Enfin, tenter de déverrouiller la porte. Alors. Ah, on peut pas, hein. Ça paraît chaud. Ça paraît chaud. Certainement en descendant. Ok. Voilà, bah écoute. Ça t'amuse. Moi ça m'amuse aussi. Ok. Ok. Il y a un passage vers le haut. Bravo. Tortueux niveau. Ok, un rat. Ah non, c'est pas grave. Alors, aïe 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 aïe. Donc ça servait à quoi? Mais oui. Mais non. Mais si. On va redescendre là maintenant. Saloperie. On est haut. On va redescendre là. Un intérêt certainement. Très très pratique elle, hein, pour le coup. Ok. A certainement l'intérêt, hein, ce que je suis en train de faire. Même si je le vois pas encore. Oui, ça avait un intérêt pour lire ça. Jour 20, le chef des chevaliers et le roi ont dit que nous garderions la conscience même devenue immortelle. Était-ce un mensonge? Je n'arrive plus à bouger. Je l'entends, ma conscience est encore là. Ah, il faudrait arriver là au milieu. N'a pas été là en haut. Où
Moi je croyais en rien. Il y a un passage ici, en bas, on l'a vu. À quoi ça sert ce que je suis en train de faire ? Ah si, pour aller là. Je viens de le dire hein, que je devais aller au milieu et j'ai enfin trouvé le chemin et il dit à quoi ça sert. Bravo à vous. Des fois il est un peu con, mais c'est pas grave. Voilà. Et là. Il y avait une saloperie. Et là, c'est pour aller où? Je vous le demande. D'accord. Il y a encore plus de saloperies. Moi je vais aller là. Dégagez. Et y'a quoi ici? À part de faire baiser. Y'a quoi là? Pourquoi ça sert d'aller là? Je ne sais pas. C'est pas grave. T'es pas rechargé. Mince. Bravo. Ok, donc là il y a un autre œil. Voilà, ok. Non, des places de détracteurs, j'aurais eu mon vrai dash. Il se reconnaîtra. Non, on avait rigolé là-dessus. C'était pas du tout une remarque méchante. Ok. T'as l'air con, hein. Faut rester en dehors. Ok. Ouais, si je descends là, d'accord, ça ne servait à rien. Ok. Hop. Meurs. Ouais, bon, toi, hop. Ah, c'est pas grave. Je peux faire ça aussi. Non. Où est-ce qu'il est? Reviens. Reviens te battre. Piu-piu des enfers. Voilà. Allô, piu-piu. On peut jouer. J'ai envie de dire,
c'est pas un problème. Ah. Il est arrivé pas loin quand même, hein. Tiré dans la cheville, dans la chouille. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.